Salut les gens, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler du Nissan Note DCI, du problème de ventilation. Voilà, donc moi le mien c'est un digital, hein. Donc il y en a certains c'est manuel. Donc le mien il est comme ça. Et au final, depuis quelques jours, j'avais un souci. Un coup, la ventilation se mettait, des fois non, des fois oui, des fois non. Et là, depuis hier midi, bah, je n'avais plus rien du tout. C'est-à-dire que je n'avais plus aucune ventilation. Donc ce matin, je suis parti sur les coups de 5 heures du matin. Je me suis bien pelé comme il faut parce que j'avais plus de ventilation. Donc j'avais de l'air chaud, mais pas assez pour réchauffer l'habitacle. Donc au final, on m'a dit que c'était un souci avec la résistance de ventilation. Et on m'a dit que ça se trouvait à droite. Donc évidemment, j'ai démonté la boîte à gants et j'ai regardé le boîtier. De résistance qui n'est pas à droite non plus ni à gauche, parce que à gauche se trouve le système de ventilation. C'est en cas où vous viendrez le cramer, ça aussi ça se change aussi, donc il n'y a pas de souci. Mais non, le mien il se trouve ici. Donc évidemment, j'espère que ça va se faire le focus parce qu'autrement c'est trop le bazar. Voilà, donc le mien évidemment il faut démonter ce cache qui se trouve ici là. Voilà, et comment dire, le boîtier de résistance. Ce que vous voyez en vert là, la fiche verte, c'est ça au final, qui est tenu par deux vis torse. Voilà. Donc je l'ai démonté tout à l'heure. Hein, c'est mon frère qui l'a démonté tout à l'heure. Et on a regardé la résistance, elle est nickel. Mais par contre, c'est une des deux fiches qui a cramé. C'est-à-dire que ça a pris un coup de chaud. Et en général, c'est la masse, le fil noir qui est en cause. Donc évidemment, je suis allé en ville pour savoir si je pouvais en trouver. Malheureusement, je peux pas en trouver. Et on peut en trouver que sur internet. Ou bien il faut carrément le commander sur bah, chez Nissan, hein, truc officiel. Donc il n'y a pas de souci. Donc ma résistance de ventilation n'a rien du tout. Mais par contre, il faut que je change la petite fiche verte. Voilà. Pas la grosse, mais la petite. Qui là où il y a la masse, le fil noir a fondu. Donc évidemment, lorsque bah, ça va tenir encore pendant quelques jours, parce que mon frère a réussi à le réparer, mais ça va tenir quelques jours le temps que je commande la pièce en question. Donc je vous mets comment dire en screen, en photo, comment est foutue la fiche qui est en question. Voilà, de suite. Voilà, du coup, vous avez vu les fiches en question. Donc c'est cela qu'il me faut. Donc je vais commander sur Amazon parce que j'en ai trouvé sur Amazon. Et mon frangin, ce qu'il va faire, c'est que bon, il va carrément couper le fil les deux fils qui sont raccordés à la fiche qui a un peu fondu, entre parenthèses. Voilà, en même temps, bon, on a nettoyé un peu la cosse qui était un peu oxydée. Et dans tous les cas, pour l'instant, ça fonctionne. Bon, là, je peux pas vous faire montrer, mais parce que je n'ai pas les clés sur moi. Mais dans tous les cas, ça fonctionne. J'ai de nouveau de la ventilation. Et donc, ça va m'aider pendant 2 ou 3 jours, 4 jours même, le temps de recevoir la pièce en question. Et voilà. Mais dans tous les cas, sachez que pour démonter, c'est pas compliqué. Vous démontez le cache qui est ici devant, là. Donc, vous avez un cache, hein, c'est clipsé. Donc, ça se démonte facilement. Et par la suite, avec un petit cliquet, comment dire, un embout torse. Voilà, vous avez une vis qui est en bas et une qui est tout en haut. Et c'est pas trop accessible, mais c'est pas chiant non plus à démonter. C'est assez facile à démonter. Donc il n'y a pas de souci. Et une fois que bah, vous l'avez démonté, bah, vous vous retrouvez avec comment dire. La résistance qui est assez longue, hein, il y en a 3 en tout. Il y a trois plaques, disons. Voilà. Voilà, donc c'est spécifique Nissan. Et voilà, donc pour ma part, c'est pas cramé, j'ai eu de la chance. Et j'ai juste cette fiche à changer. Voilà. Donc si vous avez des questions à propos de ça, bah, dites-le-moi en commentaire. Et je vous ferai une photo de la résistance la prochaine fois. Allez, bye bye, à très bientôt.